choqué par l'attitude de MSN, mais j'ai dit de Paris Jagnat, vis-à-vis la visite de Mme Sushma Swaraj, vis-à-vis une fois de plus quand elle souhaite aider nous. Dans ce cas-là, il y a même un projet de métroliser, il choquant, qui soi-disant, Pravin Jagnat, il écrit une lettre au Premier ministre Modi. Qui l'indique, qui lui permet de dire, vous mettez au défi en public sa lettre là. Vous mettez au défi. Si pas bien écrire même, bluffer facile ça. Et pas par d'être, hein, parce que là, retracer tout ça là. Moi, pas pour étonner qu'il s'agit comique là. Il dit à l'inécréable, il va y écrire. Ça tombe à pic parce qu'il peut justement montrer et la preuve qu'ils ont cause une fausseté, une mensonge, ils ont inventé tout ce qui a été quelque chose. Et donc, la lettre pour montrer exactement le point qu'ils m'ont fini faire concernant Métro Léger. Vous avez pu gagner une copie, nous vous circuler. Dimanche, Ramgoulam et Béranzé, in causé, je dis à vous connaître qu'il y en a dans l'état là. Je débite ma mensonge dimanche dans un congrès que je viens dire Pravin Jagnat, comme leader de l'opposition, il écrit à le premier ministre de l'Inde pour protester contre la visite de la ministre des Affaires étrangères à Maurice. Nous, dis-moi un coup, qui a été mensonge capable de débiter déjà quand dimanche, je peux cause ça, alors qu'il m'a pas encore écrit la lettre, c'est mardi, le 28, qui m'a envoyé la lettre, je te connais qui manière nous, certainement, nous faire tout pour consolider sa relation avec l'Inde. Et, vous pouvez dire, dans la lettre qui m'a envoyé, le seul point qui m'a fait, c'était en ce qui concerne Métro Léger. Mon parti est dans l'intention pour rendre la lettre publique, comme on m'a dit la dernière fois. Mais à cause de ce mensonge, de cette accusation-là, je peux rendre la lettre publique et je peux circuler une copie à tous mes camarades journalistes tout à l'heure.